Bonjour les amis, Kirby Jambon encore avec vous autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire encore des poèmes, mes poèmes, quelques-uns de mes poèmes que j'ai écrits. Et je vous offre comme un thème aujourd'hui, une ligne d'un de mes poèmes. C'est vraiment une ligne des paroles d'une chanson que j'ai écrite. Et la ligne va comme ceci, ça dit « Ici, il y a une ligne entre sérieux et farce, et guette-moi, je la marche ». Et c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui pour vous autres. J'aimerais marcher sur cette ligne qui est entre ce qui est bien sérieux et bien farce, bien comique. Cette ligne entre les deux. Parce qu'il y a des messages bien sérieux que je prends vraiment sérieux au cœur et des choses aussi que je prends vraiment juste pour... je fais juste pour vous faire rire. Ça fait que je vais marcher cette ligne aujourd'hui. Je vais commencer aujourd'hui avec un poème qui vient de mon premier livre, L'École Gumbo. Et le poème était écrit pendant que j'étais à une conférence. J'étais à une conférence sur l'éducation bilingue, je crois. Et il y avait une session que je n'intéressais pas de trop. Je m'ennuyais un petit peu. Ça fait que j'ai commencé à écrire un poème. Le poème était inspiré aussi par une blague qu'un de mes camarades à l'école m'a conté. Et ça fait que j'ai écrit ce poème, et dans le poème, c'est aussi une partie de la raison pourquoi Gumbo est dans le titre de mon livre. Et c'est un poème pour moi qui parle des idées de tolérance, et presque, probablement plus que tolérance, peut-être vraiment des idées de s'aimer l'un et l'autre, et accepter et apprécier les différences dans la vie. Et ce poème s'appelle « French Kiss ». French kiss, un mélange de deux langues. Mes deux langues, mes deux langages, mes deux codes, mes deux cultures, mais un de moi. De bouche à l'oreille. Écoute ça que je dis, plus que comment je le dis. Et ouais, ça se dit. Standard English, standard French, standard standards, souvent je peux pas les stand. Remplace le melting pot avec une bombe de gumbo. Avec du filet et du homa, avec du févi et du bantou, avec un français bien roux. On les goûte tous, mais différents, mais meilleurs. Ouais, ça bouille, mais déborde pas. Ouais, on bouille, mais on brûle pas. Pas comme le melting pot where the scum rises to the top and those on the bottom get burnt. On brasse la diversité. Vive la différence. Embrasse la famille et le voisin. Mais il faut pas oublier d'embrasser l'étranger. Embrasse-les with the whole mouth. Tout ouvert with the whole heart. Drette de sur les babines. Embrasse les bouches, embrasse les langues, les miennes et les tiennes, les votes et les notes. Et pas peur d'embrasser les leurs. C'est ça. Le prochain poème que j'aimerais lire, ça vient de mon nouveau livre, mon troisième livre, « Chercher la chasse-femme ». Et le poème est inspiré par mes enfants, par mes élèves que j'ai enseigné à travers les années. Et le poème s'appelle « Enfance », au pluriel, « Enfance ». Et ça va comme ceci. « Hé, sans ça, ça pue !» L'enfant, avec curiosité, et sans hésitation, renifle l'odeur. Depuis la naissance, on demande à l'enfant de parler. À l'école, on lui demande de se taire. L'enfant a grande envie de jouer et il ne peut pas rester tranquille. Pour ne pas rester tranquille, on le punit pendant la récréation. On dépense l'argent qu'on n'a pas pour acheter les jouets pour l'enfant. Tout objet est jouet pour l'enfant. On passe trop de temps à travailler pour donner à l'enfant. L'enfant veut qu'on lui donne le temps. L'enfant se demande pour aller quelque part. On lui dit d'aller rapidement, mais de ne pas courir. Oh, cours, enfant, cours vite, vite, vite. Cours au soleil, cours dans le vent, cours dans la pluie, cours dans la cour et dans le couloir. Cours pour partir faire la course. Cours pour chercher ça qu'il y a à trouver. Cours pour te perdre et puis te trouver. Cours puis repose-toi, puis joue, puis marche, puis cours, puis saute, puis danse, puis mange, puis dors, puis chante,
puis crie, puis court, puis voit, puis touche, puis sent, puis goûte, puis écoute, puis découte, puis raconte, puis dessine, puis lit, puis écrit, puis crée, puis joue, puis court, puis court, puis court, puis court encore. Court parce que tu peux. À cette heure, j'aimerais vous lire un troisième poème. Ce poème n'est pas encore dans un livre. C'est publié, mais pas encore dans un livre. C'est publié juste d'une façon digitale pour le moment. Mais ça va être dans la prochaine revue Feu Follet ici à Lafayette. Et c'est un poème que, pour moi, est inspiré par la culture créole et la musique zydeco ici dans la Louisiane. Et ça s'appelle « L'espoir de zydeco ». Allons se mettre dessus le chemin et suivre le Zydeco Road jusqu'à la pointe, où le roi nous ordonne de ne pas rester dans les rangs des cônes, la bouche après galoper. Notre esprit créole, notre cœur cajun, notre idée française, notre âme africaine. Ouais, Motelem, tu connais Motelem. Dans un pays qui ne nous comprend pas, qui croit que le bayou est synonyme de l'État, quand le synonyme est réellement le Mardi Gras. Le Mardi Gras? Ou peut-être que pas. Allons se retourner aux racines d'hier, comme les boscoyos dans la vieille céprière. On se lève tout bossu de l'eau haute, on vit dessus le bord de la côte. C'est un choix simple, mais bien dur et fort. On se fout pas mal si on a raison ou tort. L'espoir, c'est pas l'ignorance. L'espoir, c'est une connaissance. Souvent, c'est tout ce qu'on connaît. L'espoir nous donne le cadeau de jouer. Ça fait « Allons jouer le zydeco dans le chemin » en croyant qu'on aura un autre bal demain. Croyons bien que King Clifton est toujours vivant. On écoute sa voix, on suit son accordéon. La voix du passé est après sifflée dans le vent. Et nos pieds sont après dansés dans les traces du temps. Et à ce stade, j'aimerais finir cette petite session avec quelque chose qui est dans mon deuxième livre, Petite Communion. Et ce poème, c'est vraiment un rap. C'est un des premiers raps que j'ai écrit. C'est un rap selon mes goûts. C'est comme ça que moi j'aime faire des raps. Et ça s'appelle « C'est comme ça ». Et c'est sous-titré aussi une note que je suis trop vieux pour avoir composée. So, mon rap, c'est comme ça. C'est comme ça que le monde me traite. Si je pense comme ça, faut que je regrette. Tomber dans le trou en ayant des peurs. Tomber comme un fou vivant qui meurt. Au secours, viens vite m'aider. Sorti du trou cassé entier. Quand je vois à travers mes doigts des espaces étroits, un regard de toi qui y a la foi et compte la loi au fond de ma foi. Ha 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 ha. C'est comme ça que le monde me traite. Si je pense comme ça, faut que je regrette. Tomber dans le trou en ayant des peurs. Tomber comme un fou vivant qui meurt. Au secours, viens vite m'aider. Soignez mon cœur comme un cœur sacré. Au secours, viens vite m'aider, sorti du trou cassé entier. Et quand j'écoute son bien, ça coûte un nouveau soute pour jouer au foot. Ça va sans doute faire me faire foutre un naughty boot. Et quand je dis tout ce que je pense ici, c'est tout fini. Tous les ennemis, les interdits, les mépris et les haïs. Mes cris, ça rit. Macacri. Parole sans musique. Poème sans vers, rhythm sans blues, rock sans roll, rime sans raison, heavy sans metal, hip sans hop, ha ha ha, hi hi hi, c'est temps pour un petit gris, patassa, embrasse Mosella, gris, patula, dépasse ton sasa, gris, sasa quoi, basse classe, défatra, gris, anana, pomme de pain là-bas, gris, tralala, chic bien ton tabac, gris, va là-bas, de rien, patraca, gris, ha ha ha, hi hi hi, ha ha. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça que le monde me traite. Si je pense comme ça, faut que je regrette. Tomber dans le trou en ayant des peurs. Tomber comme fou vivant qui meurt. Au secours, viens vite m'aider. Soignez mon cœur comme un cœur sacré. Au secours, viens vite m'aider. Sortez du trou cassé entier. Et mes amis, j'ai lu ce poème, j'ai fait ce rap pour vous autres. J'ai fait tous ces poèmes pour montrer que, bien sûr, vous avez tous quelque chose de sérieux et aussi quelque chose d'amusant et de farce à nous partager. Et le sérieux peut être bien farce des fois aussi. Une chose pour vous montrer que c'est bien, ça c'est le cas,
c'est que ce rap est dans mon deuxième livre, Petite Communion, qui a eu un prix de la prestigieuse Académie française. Intéressant, hein? Jusqu'à la prochaine, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et soignez-vous autres et soignez les autres. Au revoir.